Offre-toi l'amour. Aime-toi. Pense à ton enfant intérieur. On a de quoi apprendre des enfants. Un enfant, c'est honnête. Un enfant, ça n'a pas d'orgueil. Un enfant, c'est vrai. Un enfant, ça vit ses émotions. Un enfant, c'est là. Ça habite son présent, ça s'amuse, ça a des loisirs. Un enfant, c'est là. Laisse vivre ton enfant intérieur. Pense à ton cœur. Puis quand tu sors d'ici ce soir, pardonne les gens qui t'ont blessé. Lâche d'haïr ton prochain, peu importe. Sois empathique. Mets de l'amour dans ton cœur. Puis fais la paix avec toi-même. Marc Gervais, c'est un coup de cœur. C'est quelqu'un qui nous fait du bien. C'est fait pour les jeunes aussi. C'est très motivant, très inspirant. C'est la deuxième fois que je vois Marc Gervais. On y retourne aussi dans deux semaines. Formidable. On a adoré la soirée. Super, bravo. Super, comme toujours. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière. Je sors d'ici rempli d'amour. J'ai adoré ma soirée. T'es bien mieux d'être seul qu'être mal accompagné. Puis quand t'es célibataire, c'est une étape de vie. Pour peut-être quelque chose qui va revenir un jour, parce que si la personne est faite pour te revenir, ils vont te revenir. Des fois, les gens vont se séparer justement pour se retrouver. Puis ils vont se rencontrer, ils vont se croiser peut-être. Puis des fois, jamais. Mais moi, je crois sincèrement que deux âmes qui s'aiment vont toujours se retrouver. Ne sais-tu pas que je t'aime encore? Better or worse, I can't believe you let me down, but the proof is in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. Qu'on rouvre les yeux, qu'on enlève les œillères, on a les signes du ciel. Puis Marc nous en a fait un bon témoignage. Les exemples qui sont tellement flagrants parce qu'on se reconnaît. De l'humour, des émotions, de se regarder en soi. Excellent, que du plaisir. Ça replace les valeurs à bonne place. Moi, ça fait la quatrième fois que je le vois. Je trouve vraiment comique. Les hommes et les femmes, on est différents. Tu sais, comme vous autres, les femmes, tu sais, t'as des faux cils, des faux ongles, des fausses boules, puis tu veux un vrai gars. Ben oui. Puis en amour, à la base, t'as pas le droit de demander ce que tu peux pas offrir. C'est facile, ça? Alors, tu sais, moi, j'ai des chums de gars, des fois, ils sont en manche de même avec la bière à bédaine, puis ils vont dire, « La prochaine, elle va découper au couteau. » Hey, va courir, mon gros porc. Moi, quand je demande à mes chums de filles, « Quelle sorte de chum tu vas avoir? » Ils me disent tout, « Je vais avoir un gars qui va me faire l'amour deux heures de temps, puis il vient juste de commencer sur le comptoir de cuisine. » Ah, ouais. « Je vais avoir un homme qui est beau, grand, musclé, qui sent bon. » Qui m'ouvre la porte, qui est sensuel, qui sait danser sans me piler sur les pieds. Un homme qui peut me cuire sur une sauce spaghetti puis béchamel un samedi matin en pyjama Calvin Klein avec les fesses bombées comme un football. Puis qui me refait l'amour deux heures à terre sur le tapis. Parce qu'il y a un problème, ces hommes-là, là, ils ont tous des chums déjà. C'est vraiment drôle, il est dynamique. Puis il fait réfléchir. Puis je pense qu'il dit beaucoup de messages qui vont s'appliquer à beaucoup de monde. Ça va faire du bien.